C'est le but de la délivrance, celui que le GF38 attendait depuis plus de 2 mois. Il arrive à la 91e minute, signé par le jeune Olivier Giroud, tout juste titularisé. Explosion de joie à Lediger et gros soulagement pour les joueurs en bleu. Ils mettent enfin un terme à leur descente dans le classement. Et pourtant, ce match aurait bien pu être le Verdun des Grenoblois. Lediger n'est plus un terrain de jeu, c'est un champ de bataille boueux. Le ballon est plombé, il reste ici dans les pieds de Kermorgan, mais Dassy est à l'affût. Le Havre ouvre le score. C'est pas sur un terrain, c'est un terrain. On a ouvert le score sur un champ de patates, mais pas sur un terrain de football. Avec de la chance. C'est clair que si le terrain est correct, on marque pas ce premier but. Et pour forcer la chance, les Havrais expédient les balles en profondeur, obligeant Grégory Wembe à multiplier les arrêts réflexes. C'est sur un coup de pied arrêté que les Grenoblois vont égaliser. Yanev lève bien ce ballon sur la tête de Pelé. Les Bleus se sortent de l'ornière à force d'abnégation. C'est surtout l'état d'esprit que je retiens ce soir parce que j'ai retrouvé mon équipe. À la fois défensivement, qui était très très agressif sur le porteur, qui a travaillé en bloc équipe, où tout le monde a fait sa part de travail. Et puis après, offensivement, on a essayé parfois, mais sans grande réussite, parce que ce n'était pas possible de jouer. Donc on a fait ce qu'il fallait faire. Dans la boue, les Bleus ont retrouvé des couleurs.